Bonsoir à tous. Je m'excuse d'être en retard. Mais, bonsoir, commandateur. Guido, où es-tu? Je suis là. Viens t'asseoir ici. Non, je préfère rester où je suis. Bonsoir, chère madame. C'est bien que vous soyez venu nous aider. Allons-y, commençons. Oui, tout de suite, commandateur. Vous savez que pour nous libérer la salle, ils ont fait sauter le documentaire. Envoyez! Mon petit, il va falloir te décider. J'ai fait apporter tous les essais d'acteurs. Excusez-moi, Konokia, mais la plaisanterie, c'est terminé. Et les doutes, les caprices, les hésitations, les contradictions, il y a eu le temps qu'il voulait. Mais ce soir, il doit choisir. C'est pour ça que nous sommes là. Exactement. Konokia a fait venir de Rome les anciens essais, les nouveaux, même ceux que tu avais tournés il y a 5 mois. On va les repasser un à un. Je ne veux pas devenir la risée de tout le cinéma. Et je ne veux pas que tu le deviennes non plus. Ils t'attendent tous avec le fusil en position. Il te reste que peu d'amis, aussi bien à gauche qu'à droite. Moi, je suis prêt à mettre tout le paquet pour te soutenir. Mais il faut que le film démarre, et qu'il démarre tout de suite. Envoyez les essais. Federico Fellini nous a donné des œuvres inoubliables. Les Vitelloni, la Strada, la Dolce Vita. Aujourd'hui, il lance 8,5. Le film le plus déchiré, le plus vilipendé, mais aussi le plus admiré que les critiques estiment être... Un film de génie qui vous laisse pantelant, le souffle coupé. L'entreprise la plus audacieuse à laquelle se soit livré le plus original et le plus anxieux des auteurs. Des images admirablement composées. Elles vous serrent la gorge. À voir pour sa beauté et sa singularité. Le plus fellinien de toute l'œuvre de Fellini. Spectacle somptueux, grouillant, délirant. Avec Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimé, Sandra Milo, Madeleine Lebeau, Jean Roujol. Le film de l'année.